Bonjour à toutes et à tous. Retour à la chimie après un long passage par la physique. Nous allons traiter les molécules et les groupes fonctionnels. Cette partie s'inscrit dans ce que l'on appelle la chimie organique, c'est-à-dire la chimie des composés carbonés, et notamment les composés du vivant. Ce chapitre se fera en deux vidéos pour éviter une vidéo trop longue. Et oui, je pense à vous tous. Allez, sans plus attendre, les compétences de cette partie de cours. Plusieurs compétences sont à acquérir. Tout d'abord, savoir représenter des formules développées et semi-développées correspondant à des modèles moléculaires. Puis savoir qu'à une formule brute peuvent correspondre plusieurs formules semi-développées. Plus concrètement, il faudra être capable de repérer la présence d'un groupe caractéristique dans une formule développée. D'un point de vue pratique, il faudra savoir utiliser des modèles moléculaires, des logiciels de représentation. Et enfin, nous aurons à pratiquer une démarche expérimentale pour montrer qu'une espèce active interagit avec le milieu dans lequel elle se trouve, nature du solvant ou pH. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce qui est fait en activité expérimentale complète totalement le cours. Passons maintenant au plan du cours. Quatre parties pour celui-ci. Tout d'abord, nous répondrons à la question « qu'est-ce qu'une molécule ?». Puis nous aborderons la question de la représentation des molécules. Nous continuerons ensuite par aborder une problématique très importante en chimie organique, la problématique des isomères. Et enfin, nous finirons par un petit inventaire de quelques groupes caractéristiques, car pour les reconnaître dans une molécule, il faut tout d'abord les connaître. Cette vidéo aborde les deux premiers points. Prêt pour le cours ? Alors c'est parti ! Et tout d'abord, posons-nous la question de ce qu'est une molécule. La question est simple en apparence et la définition officielle de l'IUPAC est très courte. Une molécule, c'est une entité électriquement neutre composée de plus d'un atome. Je complète pour ma part cette définition en rajoutant qu'il y a un nombre limité d'atomes et en disant clairement que les atomes sont liés les uns aux autres, ce que sous-entend la définition officielle. La définition que je donne est une définition qu'on pouvait intuitivement donner. A noter que si l'entité est chargée, on est en présence d'un ion. Un petit mot sur l'origine des molécules pour que nous utilisions tous et toutes le même vocabulaire. Tout d'abord, on dit qu'une molécule est naturelle si elle existe dans la nature, plus précisément si elle est produite par la nature, par un organisme vivant ou non. On va utiliser le terme synthétique lorsqu'une molécule est produite par l'homme, mais elle peut également être naturelle. Par exemple, l'urée que notre corps produit est une molécule naturelle, mais c'est également une molécule que l'on sait synthétiser et qui est très utilisée dans l'industrie chimique. Allez, pour la petite histoire, l'urée est la première molécule organique produite en laboratoire en 1828 par Friedrich Wöhler. À cette époque, on pensait qu'il était impossible de produire de manière synthétique une molécule issue du monde du vivant. Et cette découverte a vraiment boosté la chimie organique. Dernière info, on produit quand même 180 millions de tonnes d'urée par an. Enfin, on dit qu'une molécule est artificielle quand elle n'existe pas dans la nature, c'est-à-dire qu'elle a été mise au point par l'homme, et donc elle est forcément produite de manière artificielle. Et c'est le cas d'un très grand nombre de molécules. Alors, quelques exemples pour illustrer ces molécules artificielles. Dans le domaine des matériaux, on a de nombreux polymères, comme par exemple le PVC, le plexiglas. Dans le domaine de la santé, de nombreux médicaments sont artificiels, comme des antibiotiques, ou l'aspirine, et encore bien d'autres médicaments. Et pour la vie quotidienne, des édulcorants pour les boissons light, des colorants pour les vêtements, le luminol, etc., etc. Troisième point de cette première partie, les liaisons dans les molécules. Comme dit auparavant, dans les molécules, chaque atome est lié à un ou plusieurs autres atomes. Et c'est ça qu'on modélise par ce qu'on appelle une liaison chimique. Et c'est un concept extrêmement important en chimie, c'est même fondamental. On appelle cela une liaison chimique, car on se représente les deux atomes comme attachés, comme liés, et cela plus ou moins fortement. Alors, il est important de bien avoir en tête qu'un atome ne peut créer qu'un nombre fini de liaisons avec d'autres atomes. Et ce nombre de liaisons, c'est ce qu'on appelle la valence. La valence d'un élément est en relation avec leur structure électronique. Alors, pour rappel, la structure électronique, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 2. Vous pourrez retrouver le cours en vidéo pour vous remettre les idées en place. Oui, oui, je sais, la vidéo serait à refaire absolument. Bien, donc la valence d'un élément est en relation avec la structure électronique. En effet, un élément chimique cherche à acquérir la structure électronique du gaz noble le plus proche. On l'avait vu lors du chapitre 4 que cela pouvait se faire en perdant ou en gagnant des électrons. Là encore, il y a une vidéo qui n'est pas top top, elle existe, elle sera à refaire, évidemment.
Tout d'abord, ici, on s'intéresse aux éléments chimiques les plus communs dans les molécules de chimie organique. Hydrogène, carbone, oxygène, azote, et on rajoute quand même les halogènes avec notamment le chlore. Alors, du coup, une liaison chimique, c'est quoi ? Déjà, on va ne s'intéresser qu'aux électrons de la couche externe. Ensuite, deux atomes peuvent chacun mettre en commun un électron pour que chaque atome ait l'impression d'avoir la structure électronique du gaz noble le plus proche. Eh bien, cette mise en commun des électrons, c'est la liaison chimique. Et selon le nombre d'électrons, un élément chimique peut faire plus ou moins de liaisons. L'hydrogène a une valence de 1, c'est-à-dire qu'il ne peut faire qu'une seule liaison. Comme le chlore qui, lui, n'a qu'un seul électron seul, qu'un seul électron célibataire. L'oxygène, quant à lui, doit gagner 2 électrons pour acquérir la structure du gaz noble le plus proche. Donc l'oxygène a une valence de 2. Il peut faire 2 liaisons chimiques. L'azote doit gagner 3 électrons pour acquérir la structure du gaz noble le plus proche. Donc l'azote a une valence de 3. Il peut faire 3 liaisons chimiques. Et enfin le carbone, lui, a une valence de 4 et peut donc faire 4 liaisons chimiques. Il est utile de retenir ces nombres pour ces quelques éléments qui sont résumés dans ce tableau. Il existe différents types de liaisons. Tout d'abord, la plus commune est la simple liaison. C'est la mise en commun d'un électron de la part de chacun des atomes impliqués dans la liaison chimique. Et elle se modélise par un trait entre les deux éléments chimiques. Tous les éléments chimiques qui ont une valence d'au moins 1 peuvent faire ce type de liaison. Autre liaison possible, la double liaison. Ah, cette fois, chaque atome partage 2 électrons, ce qui fait que les deux atomes liés le sont par une double liaison, ce qu'on modélise par un double trait, ce qui ressemble à un signe égal. Évidemment, pour faire ce type de liaison, il faut que chaque atome de la liaison ait une valence de 2 minimum. L'hydrogène ou le chlore ne vont pas faire de double liaison. Enfin, un troisième type de liaison, la triple liaison. Cette fois, chaque atome partage chacun 3 électrons pour que les deux atomes liés le soient par une triple liaison. Et c'est ce qu'on modélise par 3 traits ou 3 tirets. Ce type de liaison n'est possible que si chacun des atomes a une valence d'au moins 3, ce qui est le cas pour l'azote et pour le carbone, mais ce qui n'est pas possible pour l'oxygène. Il est nécessaire de modéliser les molécules et pour cela, les chimistes ont mis au point de nombreuses représentations. Toutes ces représentations ont des avantages et des inconvénients et il faut savoir passer de l'une à l'autre lorsque cela est possible. Alors la première représentation, c'est la formule brute. La formule brute d'une molécule, c'est vraiment l'écriture la plus compacte. Elle décrit la nature et le nombre des atomes qui constituent la molécule. Autrement dit, la formule brute nous donne la nature des différents éléments chimiques qui composent la molécule et leur nombre respectif. Alors, un exemple, le paracétamol de formule brute C8H9NO2. Cette molécule est composée de 8 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote, 2 atomes d'oxygène. Je rappelle que le nombre d'atomes se trouve en indice à droite de l'élément chimique et que s'il n'y a pas de nombre, c'est qu'on a seulement un seul atome de l'élément en question. Comme pour l'azote ici dans le paracétamol. On a déjà vu la notion de formule brute pour calculer la masse molaire moléculaire. Si vous ne vous en souvenez plus, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de la mole. Deuxième représentation possible d'une molécule, la formule développée. Alors, dans ce type de représentation, on montre l'arrangement des différents atomes de la molécule en montrant toutes les liaisons entre tous les différents atomes. Ce type de représentation est très utile pour visualiser quels atomes sont liés avec quels autres atomes. Premier exemple simple, le butane 1-ol, ou à la limite peu importe le nom. Bon, ce qui importe ici, c'est bien de voir l'arrangement des différents atomes. Et c'est ce qu'on a ici. On voit très bien la structure de la molécule, c'est-à-dire quel atome est lié à quel autre atome. On voit l'enchaînement des 4 atomes de carbone les uns après les autres, et on voit comment les autres atomes se lient. On note bien que chaque atome de carbone fait 4 liaisons, sa valence est égale à 4. L'atome d'oxygène, lui, fait 2 liaisons, sa valence est égale à 2. Et chaque atome d'hydrogène ne fait qu'une seule liaison, c'est ce qu'on a. Alors, qu'est-ce que ça peut donner avec des molécules plus compliquées ? Bien voilà le paracétamol, on vient de voir sa formule brute juste un peu plus tôt, voici sa formule développée et clairement,
il est difficile de la deviner en ayant juste la formule Bohr. Bien, cette formule développée est intéressante d'une part parce qu'elle montre une molécule plus compliquée et d'autre part, elle montre également des doubles liaisons. On peut en voir une entre deux atomes de carbone, là par exemple. On peut également voir une double liaison entre un atome d'oxygène et un atome de carbone. Et encore une fois, la valence des différents éléments chimiques est respectée. L'atome d'oxygène forme une double liaison avec l'atome de carbone. Deux liaisons, la valence de l'oxygène étant de 2, elle est respectée. Quant au carbone en question, il fait encore deux autres liaisons, une avec un azote et une avec un autre atome de carbone. Sa valence de 4 est à nouveau respectée. L'atome d'azote, lui, fait bien 3 liaisons. Tout va bien. On le voit, la formule développée donne bien l'arrangement des atomes, mais elle présente un gros défaut, c'est sa lourdeur d'écriture. Réécrivez donc la formule du paracétamol et vous comprendrez vite que cette écriture, cette formule développée est longue. Les chimistes ont donc cherché une autre façon d'écrire les molécules, une écriture qui permettrait de conserver la visualisation de l'arrangement des molécules tout en étant plus rapide. Et cette écriture, c'est la formule semi-développée. La formule semi-développée montre l'arrangement des différents atomes de la molécule en montrant les liaisons, sauf les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Autrement dit, une formule semi-développée s'écrit en suivant les mêmes règles qu'une formule développée, sauf pour les atomes d'hydrogène. Leur symbole, H, est noté après celui de l'atome auquel ils sont liés. Même si un atome porte plusieurs hydrogènes, alors le symbole est suivi d'un indice précisant leur nombre, comme on fait pour une formule brute. Allez, des exemples. Alors, on reprend notre butane-1-ol et le voici en formule semi-développée. Et là, on voit bien l'avantage principal de la formule semi-développée. Elle est plus courte à écrire que la formule développée, tout en montrant la structure de la molécule. Cela provient du fait que l'atome d'hydrogène ne fait qu'une liaison et n'a pas d'influence sur la structure de la molécule. Petite remarque, on peut inverser à gauche l'ordre des atomes, ici le carbone et l'hydrogène, pour bien montrer la liaison entre les deux carbones. Et toujours notre paracétamol, cette fois en formule semi-développée. Là encore, l'écriture est plus simple, plus rapide, tout en montrant la structure de la molécule. Ici, la molécule du paracétamol n'est pas orientée tout à fait pareil que précédemment, mais ça n'a pas d'importance car c'est bien la même molécule. Bref, c'est une écriture très utilisée, bien plus que la formule développée. Par contre, elle demande un peu d'entraînement pour bien la maîtriser et bien visualiser les molécules, notamment les atomes d'hydrogène. Petit complément, qui n'est pas au programme de seconde, mais utile si vous faites des recherches sur internet, car vous pourriez tomber sur des formules topologiques. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien en fait, dans la formule topologique, on ne va montrer que le squelette de la chaîne carbonée, et écrire les atomes autres que le carbone et les hydrogènes liés à des carbones. Et bien voilà, ça donne ça. À chaque extrémité des segments, on sait qu'on a un atome de carbone et on sait qu'on doit avoir pour chaque atome de carbone 4 liaisons qu'on complète avec des liaisons avec des atomes d'hydrogène. Et pour le paracétamol, on a la formule topologique suivante. C'est vraiment une représentation très épurée. Les logiciels de modélisation moléculaire ont tendance à utiliser cette représentation. Elle est vraiment très rapide à écrire et montre bien la structure. Le défaut, notamment en seconde, c'est de ne pas montrer explicitement tous les atomes. Donc cette formule demande de bien maîtriser la formule semi-développée. Comme je l'ai dit, la formule topologique n'est pas au programme de seconde, c'est pour la première. Par contre, la formule semi-développée est bien au programme de seconde. Enfin, un dernier mot sur les représentations en trois dimensions. Nous avons à disposition les modèles moléculaires à assembler, c'est ce que nous avons fait, mais il existe également les logiciels pour créer des représentations en trois dimensions. En voici quelques-uns, le site molview.org sans installation sur ordinateur, et des logiciels à proprement parler avec une installation, Avogadro qui ne fait que de la 3D, GameSketch complet et permet de nombreuses représentations, un peu compliquées, ou encore Pimol qui fait vraiment de très très belles molécules, notamment des molécules complexes en 3 dimensions. Et voilà ce que peut donner la molécule de caféine en 3D avec le site MolView. Et avec Pimol, on peut commencer à faire des choses qui sont un petit peu sympas en quelques clics. Bon, voilà, c'est tout pour le moment. Enfin, tout, c'est déjà pas mal. L'important, c'est de bien savoir passer d'une représentation à une autre, de bien comprendre les avantages et les inconvénients de chacune des représentations pour décrypter la structure d'une molécule. On se retrouve très vite pour la suite. Je vous rappelle, on parlera d'isomères et de groupes caractéristiques. Et puis, en attendant, si vous avez aimé la vidéo, eh bien, comme d'habitude, un pouce bleu, partagez-la, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, la chimie, c'est facile. À bientôt !